Récemment, on a vu que vous avez félicité Rosine Layo pour son disque d'or, en grande pompe. Est-ce que c'est pas parce que Afou Keïta en clash en ce moment avec Rosine Layo sur une affaire de plagiat? Enfin, là, tout le monde est mélangé. Sur la toile, on se pose des questions. Il n'y a même pas à se mélanger. La chanson, là. Oui. Moi, Aïcha, je vous dis, allez sur YouTube. D'accord. Vous allez trouver le nom d'une dame qu'on appelle Dioma Fanta. Dioma Fanta est la créatrice de Coucou. Donc, ça veut dire qu'Afou... N'allez pas loin même. Donc, ça veut dire qu'Afou qui s'est plaint. Elle a plagié, là. Elle-même, elle a plagié aussi. Merci. Layo, là, c'est une petite qui l'admirait. Oui, bien et sûr. Et tu viens elle a dit. Te ouais. mettre comme ça, je ne veux pas. Il faut annuler, il faut empêcher ça de se... Pourquoi? À quel titre? Il ne faut pas te faire commandant partout. On est là, on se connaît, on connaît les dossiers. La base de la musique mandingue, moi, on ne peut pas m'apprendre quoi que ce soit. Forcément. Je regarde chacun parler sur la toile. Bien sûr. C'est révoltant. Ouais. Et je suis très contente que Jocelyne ait eu ce prix-là. Oui. Ouais, ouais. Je suis très contente pour elle parce qu'on voulait l'étouffer déjà. Ouais. Elle va comprendre que notre métier, là, beaucoup rit avec toi, mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il ne faille pas que vous parliez de mère à fille avec Afou? Ça ne m'intéresse pas. Et si elle cherchait à vous voir pour présenter ses excuses? Non, je pense qu'elle peut attendre pour le moment. Pourquoi? Je suis pas prête. Non. Parce que ce qui s'est passé là, Afou voulait me démystifier. Vous parliez tout à l'heure de Peter 007 qui malheureusement est toujours détenu en ce moment. Votre opinion sur cette histoire? L'histoire de Peter 00 m'a touchée en tant que femme, en tant que mère. Un enfant comme Peter, qu'est-ce qu'il peut faire à un président? C'est sa bouche, il a pour parler, c'est tout. Oui. Nous avons tous trouver que Peter a mal fait. Mais rien ne peut remplacer le pardon. Bien sûr. Quand tu vois le père et la mère de Peter à genoux pour dire pardon au président devant toute la nation, il faut avoir un cœur de rocher, un cœur de pierre pour dire que oui, il faut le garder là-bas. C'est-à-dire, si tu ne peux pas plaider, ne viens pas ajouter encore quelque chose de... Okay. C'est pas humain. C'est là où j'en veux à Afou Keïta. Okay. Parce que c'est une mère. Un enfant a déconné. Mais c'est les parents, les voisins, le village qu'on prend pour aller voir le chef du village. Mais une mère qui se met là pour dire oui, c'est mon papa, mon père Ado. Non, Ado même vous demande pas ça. C'est pas humain pour une femme. Là, Afou m'a déçu. Parce que c'est pas à elle que j'avais adressé le pardon, c'est au président Alassane Ouattara. Si elle dit que Ado est son papa, mais c'est du n'importe quoi. Ado, en tant que président où il est là, c'est le papa de tout, tout le monde. De tout le monde. Ayez le courage de parler de vos parents biologiques. N'ayez pas honte d'eux. Un enfant qui fait ça, parce qu'Alassane aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Opportuniste, Louis. Tu n'as pas besoin de dénigrer un chef d'État, par exemple, pour un autre. Celui pour qui tu le fais, là, il doit se dire que quand tu ne seras pas là, cette même bouche-là va te dénigrer. On l'a vu ici avec Afou Keïta. Dès que Gbagbo a eu ses problèmes, la chanson, c'est elle qui a commencé. La chanson, Afou a fait une chanson, mais elle me dit, quand j'ai chanté pour, sur Gbagbo, les gens sont venus chez moi entourer. Rien n'est venu entourer. La parole, quand elle est mal injectée, ça devient du venin. Bien sûr. Et ça se garde. Il y a des casseroles qu'on traîne. Et ce qui arrive à Afou, là, c'est ça. Afou m'a insulté. C'est difficile pour moi de pardonner à Afou. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.